Welcome les copains, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog à la maison parce que je suis rentrée chez moi. Hop. Donc là ce matin je me suis douchée, aujourd'hui on va faire une journée vraiment très 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 productive qui a déjà commencé. Donc ce matin je me suis levée vers 8h, j'étais crevée, je reste trop tard sur mon tel le soir, c'est insupportable. Ensuite j'ai fait mon montage, donc en fait pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai quelques jours de décalage, je fais pas du jour pour le lendemain, parce que vu que je pars en voyage, je connais pas la connexion que j'aurai là-bas, puis même d'un point de vue pratique, je trouve ça un peu épuisant, ça change pas grand chose, je fais autant de montage, mais juste préfère certains jours me mettre à fond, faire plusieurs jours de montage. Hier soir j'ai fait deux montages, avant-hier j'en ai fait deux aussi. Ce matin je me suis réveillée un peu plus tôt donc pour en faire un. Et ensuite j'ai mis ma machine en route. Moi je reprends pas cette semaine, je reprends la semaine prochaine et j'ai 2-3 jours pour faire un peu tous les trucs, pour mettre de l'ordre dans mes paperasses on va dire. Donc aujourd'hui en gros je dois filmer 2 ou 3 vidéos, je sais plus, pareil pour avoir un peu d'avance, il y a peut-être certains jours où vous aurez pas des vlogs mais une vidéo normale parce que quand je vais arriver sur l'île je vais devoir avoir quelques jours d'avance parce que j'aurai cours, donc voilà, je connais pas encore les cours que j'aurai, enfin à peu près, mais je sais pas encore quel travail il me faudra pour ces cours, quelle quantité de travail dont j'aurai besoin. Cet après-midi je dois aller voir Alizée, que vous connaissez pour certains, pour les nouveaux bah vous la connaissez pas, mais je vous invite à aller voir nos vidéos ensemble, c'était trop drôle, surtout si vous êtes au lycée, il y a pas mal de vidéos informatives. D'ailleurs est-ce que ça vous intéresserait, franchement faut trop qu'on fasse une vidéo update parce que nos vies elles ont quand même pas mal changé, contrairement à ce qu'on pensait, enfin c'est pas ce qu'on imaginait quoi. Bref, sinon là il y a Monsieur Potter qui est trop mignon, il est trop chou, trop, mais faudra, oui il faut aussi que j'aille le promener, enfin bon bref j'ai plein de choses à faire, par contre il fait un temps de ouf, regardez, vraiment il fait un temps de malade pour la Normandie, je sais pas s'il fait beau à Lille mais c'est trop trop cool. C'est pas mal comme spot ici, j'aime bien en vrai, la lumière elle est cool. C'est l'aspirateur automatique, j'ai eu trop peur là, faut pas me faire ce genre de frayeur. Bref, je vais me sécher les cheveux. Là, je pars avec mon loulou en balade. Il fait super froid en vrai. Coucou tout le monde, donc là, je vais aller chercher ma petite soeur à l'école parce que, en gros... Oh. Normalement ça devait être ma mère, mais tout à l'heure après je suis allée prendre Potter, il a vomi plusieurs fois, oui c'est dégueulasse, j'ai l'impression de parler de mon gosse. Donc on a eu un peu peur, donc il est chez le médecin, le veto, oui il passe sa vie chez le veto aussi. On aurait dû lui prendre une assurance. Bref, je vais aller chercher ma soeur, je suis vraiment contente, j'ai à peu près réussi à faire beaucoup de choses, j'ai tourné 2 vidéos que vous verrez bah, des jours où il n'y aura pas de vlog. Ensuite... En plus, il y a 2 vidéos qui me tiennent à cœur et que vous me demandez super souvent. Je veux pas trop vous spoiler, vous verrez. Et ensuite, faudra que j'aille voir Alizée. Donc là, je vais me mettre en route, sinon je vais être en retard. Et j'ai réussi à faire ma lessive. Enfin bref, j'ai fait pas mal de choses, donc me voilà ravie. Voilà comment je suis sapée. Je voulais vous montrer un petit coup. Bon, alors toujours le même pantalon de chez Zara. Voilà, mais vraiment, il est hyper confort. Bon, il est un peu large, mais c'est un boyfriend. Et j'ai mes chaussures, donc vous savez, je vous en avais parlé, c'est celle que je viens d'acheter. Et voilà, donc là, on voit pas le Tommy Hilfiger. Donc, j'aime bien comme ça. Je trouve ça fait stylé. Ensuite, un pull que j'ai volé à ma soeur, je vais encore me faire tuer. Et mon manteau que je vous ai dit l'autre jour, donc ça foule. Mais comme vous continuez à me demander, je comprends. Il est très mignon, mais de très mauvaise qualité. Let's go! C'est moi qui suis. Le soir, je suis trop trop contente parce que j'ai réussi à faire plein de choses que je voulais faire. J'ai fait 3 montages aujourd'hui et j'ai filmé 2 vidéos. Donc, bah, que demander de plus? Plus ce vlog. Donc, voilà. Vraiment j'ai jamais été aussi productive mais je kiffe, vraiment j'ai
j'ai la dose d'idées et tout, donc ça me fait trop plaisir parce que j'avais peur de pas avoir forcément tout le temps des idées. Et puis les vlogs, c'est vrai que ça tourne assez vite en rond, donc je suis contente de pas tout le temps rester à Rouen et je suis aussi contente de faire peut-être d'autres styles de vidéos. J'ai aussi plein d'idées pour le mois de septembre. Qu'est-ce que je raconte? Pour le mois de... J'avais trop de mémoire, hein. Février, c'est sinon, n'hésitez pas à partager ma chaîne à vos potes. Je me dis que ça peut être cool, vraiment. Voilà, ça peut être sympathique. Mais sinon, je voulais vous remercier, vraiment, c'est hyper important. Je trouve de vous remercier pour tout l'amour, on va dire, que vous m'apportez. Je ne sais pas si on peut définir ça comme ça. Je sais que ça peut paraître très bateau. Je sais que beaucoup de youtubeurs disent ça. Et enfin, moi-même, parfois, je me dis... Bah, ok, voilà, ça reste des commentaires, mais en fait, vraiment, je reçois de plus en plus de messages privés, je reçois de plus en plus de trucs et tout, et vraiment, je trouve ça tellement adorable. Enfin, ça fait vraiment plaisir, je sais pas comment expliquer, mais souvent j'en parle à mes potes, je dis, mais ouais, je comprends pas et tout, genre, c'est trop chou, c'est trop gentil, vraiment, vous êtes trop gentils. Et j'ai de moins en moins de haters ou quoi, genre, je le vois bien, et bah c'est trop cool, merci vraiment de regarder mes vlogs et merci d'être présent et d'être là. En vrai, ça me pousse de ouf à être plus productif et c'est vrai que comme j'ai passé pas un super bon début d'année et que je m'en mettais de ouf en question et que c'était pas vraiment le meilleur moment de ma vie, bah, je trouve ça cool que cette période se passe bien. En plus, j'ai un très beau pull que j'ai piqué à ma soeur. Ensuite, je vous ai pas vraiment filmé pendant que je faisais mes tâches parce que j'étais trop concentrée. Mais pour ceux qui se demandent, je voulais vous montrer. Mes vidéos, je les filme avec Filmora. Vous me demandez souvent, je me dis que c'est la bonne occasion. Je trouve que c'est vraiment le logiciel qui permet d'être la plus productive, le plus productif. Je l'adore. Voilà, j'en suis vraiment fan de ce logiciel. Je monte avec ça depuis mes tout débuts. Et j'ai jamais été déçue. Et après, ensuite, je fais mes miniatures avec Photoshop. Donc là, c'est la vidéo d'hier que j'ai filmée aujourd'hui et que j'ai montée aujourd'hui. Normalement, et voilà, Photoshop pareil. En fait, avant j'utilisais PicMonkey, mais c'est devenu payant. Et un de mes potes m'a passé Photoshop. Bon, c'est un peu le bordel parce que je suis vraiment très désorganisée, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure appli pour faire ces miniatures. Par contre, pour retoucher des photos, je sais pas du tout comment faire, je suis trop nulle, donc il faudrait vraiment que j'apprenne parce que je fais tout le temps ça via mon tel. Mais je me dis que ça pourrait être cool de me perfectionner via Photoshop. Autre sujet, ça m'a fait trop plaisir de revoir Alizée. Je sais pas si tu verras ce vlog, chérie. Putain, je déteste les gens qui appellent leur pote comme ça, c'est trop drôle. Bref, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu depuis les dernières vacances. Et vraiment, ça me fait trop bizarre de revoir mes potes et tout. Ça me fait trop plaisir. J'ai vraiment l'impression, genre, je peux grave parler avec mes potes d'avant, de plein de trucs, parce que forcément, c'est des gens avec qui t'as vécu pendant plusieurs années et tout. Enfin bref, c'est super spécial, je trouve. Dites-moi si vous avez la même chose. Je sais pas si je vais vous reprendre, je pense que je vais regarder Messia, c'est la nouvelle série Netflix, elle est trop cool, vraiment je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle fait un peu polémique, mais je suis qu'au premier épisode, alors je peux pas encore vraiment juger ce que j'en pense. Après, à partir du moment où tu parles de religion, même si tu t'attaques pas à la religion, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord et d'autres plus ou moins d'accord, mais bon, voilà.